Salut tout le monde! Salut, bienvenue sur Moi comme toi, la chaîne des gens en coopération avec Sven et Gaïrus. Alors aujourd'hui, on teste un petit jeu très rigolo et un peu atypique qui s'appelle non pas Toy Story 3, mais... Histoire de jouets 3. Voilà, je sais pas pourquoi, ils ont absolument voulu traduire ce jeu. Quelle horreur. Bon, tant pis. C'est juste que j'ai eu du mal à décider à quel jeu jouais au début. Histoire de jouer 3. Donc voilà. Donc il s'agit d'un petit jeu d'action, d'aventure qui peut se jouer à deux, en écran partagé, donc en local, et qui est sorti le 1er juillet 2010. Développé par Avalanche Software. Et puis donc là, on est dans le menu là, de départ. Tout se passe comme ça sur ce plateau sur lequel on va choisir donc, nos missions et puis un peu découvrir. On connaît pas trop, donc on va découvrir en même temps que vous. On va un peu découvrir en tant que vous et puis je te propose qu'on commence. Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors là, on a des personnages hyper charismatiques comme Buzz l'éclair et... Qu'est-ce qui se passe alors ? On n'a plus qu'à trouver le téléphone portable d'Andy. Puis quand on l'appellera... Andy nous retrouvera grâce au téléphone et il jouera une dernière fois avec nous. Ça me plaît, cowboy ! Yeehaw ! Allons-y ! Trouver le téléphone portable. Voilà, du coup, on est tout de suite dans le bain. Donc, l'objectif du jeu, c'est surtout voilà, de prendre la place de ces petits personnages donc, du film. Moi, perso, j'ai pas vu le 3. Je me rappelle avoir vu. Si, je l'ai vu, moi. J'ai vu que le 1, donc je suis pas super au... Oh, c'est bien rigolo. Donc, moi, je... C'est détendant, comme toi, tu t'appelles Buzz l'éclair, et moi, c'est... C'est quoi ton petit nom, déjà, toi ? Andy, non ? Andy, voilà, Andy, c'est j'sais ça. Plus. C'est ça ? Est-ce qu'on peut un peu... Genre, hein ? Oula ! Je te jette par la fenêtre. Non, c'est pas possible. Je vais peut-être voler avec mon personnage, Rama. Oula ! On peut faire des trucs marrants, genre, on peut se friter un peu. Pour ceux qui pensaient que c'est un jeu calme, regardez là. Genre... Ah, mais ça suffit, oui ! Et puis je crois qu'on peut prendre même tous les personnages qui sont les... Ah, j'ai ramassé un truc. Mais ça doit être des petits défis, ah comme non, ça. Ah non, c'est des astuces. Je dois t'envoyer là-bas. Alors attends. Comme ça. Et on... Non, c'est moi qui dois le faire. Oh. Ouais, mais non, mais toi tu vas. Ah bah non, je voulais pas dire. Non. C'est un jeu en coopération, pas. Ok. Alors attends. Je te balance. Loupé. Et normalement, tu voles. Loupé. Non, mais c'est moi qui dois t'envoyer, c'est pour ça. Mais arrête un peu. Mais non, c'est toi, tu as les ailes. Je suis désolé, dans Toy Story 1, celui qui volait, c'était toi. Laisse-moi faire. Bon, bah, j'ai trop pas confiance. Tiens. Ah, il y a possibilité de faire un double saut, d'accord. Ah, ça fonctionne pas ? Si, non, mais en fait, tu vises mal, alors je vais y aller moi-même. Non, mais reste là et... Allez. J'ai peur. Donc il faut que tu te serves voilà, de cette petite visée. Vous donnez un conseil ? Mais non, mais on n'en veut pas, nous. Ouais, voilà. Et je ramasse ça. Je sais pas à quoi ça sert. C'est marrant, ils ont mis les petits objets dans des... Vous savez, dans les distributeurs automatiques, on peut avoir des petits objets, des petits trucs, vous savez, quand on était gamin. Qu'on... C'est normal, histoire de jouer, voyons. Bon alors... Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Je n'ai pas compris. Ah, c'est pour montrer que j'ai un double saut, non ? C'est un truc dans le genre. Enfin, mais c'est bon, j'ai trouvé tout seul les boutons, quoi. Et puis, niveau double saut... Ah, je peux pousser. C'est léger, hein. On n'est pas dans du Prince of Persia. Est-ce que... Je peux tomber tout seul. Carte collector. Une carte collector. Ah, j'ai l'impression qu'il faut collectionner des trucs, tu vois. Oui, voilà, au niveau de la rejouabilité. Comme dans les jeux petits plateformes normales. C'était pas mal axé sur ça, qu'il y avait énormément de choses à venir rechercher. Ah bah tiens, j'étais sûr qu'il y avait un poubelle, il y avait un truc. C'est dégueulasse comme jeu. Mais t'es descendu alors qu'il y avait sûrement un truc à faire, hein. Bah en haut, bah non. Parce que là, j'étais là. Et puis, j'en peux pas sauter. Viens là. Ah, attends, si tu fais double saut et clic droit. Tu fais exactement comme dans Mario, t'écrases les ennemis par en dessous. Mais arrête d'appuyer sur ce bouton. Sur quel bouton j'ai appuyé d'ailleurs, je comprends pas. Je sais pas bien. Alors attends, reviens par là. Bon, le monde est pas super grand non plus. Non mais tout se passe pas en intérieur, tout comme ça, on fait aussi des trucs... Les phases de gameplay sont assez diversifiées, il y a des courses... Non, il faut pas appuyer sur clic droit pendant qu'on saute. Des espèces de courses, voilà, à cheval, où il faut rattraper un train, il y a des phases un peu plus plateforme comme ici, des mondes un petit peu plus ouverts, c'est quand même assez diversifié, c'est pas mal du tout. Alors voilà, c'est pour te montrer que si tu fais double saut et clic droit... Eh ben tu casses tout. J'ai trouvé des trucs mais excellents. Sans faire exprès. C'était le but. Mais... Oula, ah, je me suis pété la gueule. Oh, pardon, on se gourde un bouton, on n'a pas encore super l'habitude. Donc ce truc-là, c'est quoi ? C'est encore un indice peut-être ? Ah mais il y a un truc là-dedans, non ?
Attends. Ah, regarde, on peut... Excellent. Ouais. Enfin, alors, je rappelle, c'est un jeu qui est censé être pour tout public. Et quand des adultes n'arrivent même pas à faire des infos, je pense que c'est la merde. Comment est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est avec le clic gauche. D'accord. En fait, c'est pas sur le bouton saut. Si, quand on a sauté, c'est le bouton action qui permet de sauter encore. Il faut que t'arrives à me rejoindre. Sinon, tout simplement, chaud. Tu sais quoi? Je t'éclate la gueule. Non, je vais repartir par là, c'est pas grave. Allez, vas-y, va chercher ce qu'il faut faire là-haut, là. Alors, normalement, on est censé essayer... Mais, regarde! Non, mais attendez, il faut pas jouer à Assassin's Creed, hein. Il faut jouer à Toy Story 3. À Histoire de jouer 3. Non, mais mine de rien... Mais ça croche, en fait. Bon, bah, c'est plus simple tout de suite. Il y a pas mal de petits trucs, quand même, super sympas. Est-ce qu'on peut casser... Mais... Oh, pardon. Ah, mais bonjour la coop aujourd'hui, hein. Moi, je pense que la coop, parce qu'il y aura sûrement plein de papas ou de jeunes papas qui ont acheté ça. Donc, à leur chouchou pour Noël, pour jouer en coopération avec eux. Et ah, la vache, regardez, mais c'est hyper vicieux. Le vent pousse les lattes et... Ah oui, bah faut y aller. Faut y aller au moment. Donc, vous voyez, c'est super vicieux. Hein. C'est pas parce qu'on a un environnement gamin que le jeu est pas forcément super difficile. Bon, attends. J'y crois. Allez, je fonce. Et donc là, il va falloir que je te jette, finalement. Là, il faut que tu me jettes. C'est un jeu de salaud, quoi. Allez. Là, je te jarte. Attends, vise bien. Alors, là, t'as le tracé vert. Je m'envoie pas dans la porte. Vas-y. Là, c'est bon, non? Oui, c'est bon comme ça, là. Puis après, je m'en rattrape et tout. Oh putain. Ah, t'as ouvert les tiroirs. Ah, je sais pas comment, j'ai cliqué sur un truc, j'ai ouvert un tiroir. Et du coup, toi, tu peux t'accrocher. Ah, mais prends la carte en dessous, prends la carte. Attends, le but, c'est de piquer tous les trucs du jeu pour tuer. Il y a un cochon dans le tiroir. Mais oui, mais il fait partie de l'histoire, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, le cochon? Je peux lui péter la gueule? Qu'est-ce que je fais, là? Donc là... Ah, merde! Il faut que ce soit la nana. Continue à chercher. Mais comment je change de personnage? Tab, je crois. Tab, et je prends la nana. Mais alors, elle... Moi qui n'ai pas vu le nuit 2003, je sais pas comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est derrière. Bah, tu peux passer par les tiroirs là, viens. Ouais. Et un. Non, tu peux pas. Oh non. Oh la merde. Je suis obligé de faire tout le tour. Non, mais c'est hyper dur. Non, bon, j'arrive. Tu essayes de passer, hein. Parce qu'elle fait un truc spécial. Je crois que logiquement, elle est censée venir faire un truc. Oh, regarde, je te rejarte, toi là. Je rappelle, c'est une vidéo totalement découverte. Hein. On a joué à peine 2 minutes et on a fait une petite séance de course là juste avant. Et voilà, je t'ai envoyé sur l'étagère. Mais ouais, mais... Ah, mais mon personnage était toujours là. Du coup... Ah ouais. D'accord. Hein? Elle fait des toupies quand elle saute, quand elle fait un double saut. C'est bizarre. Attends. Là? Non, que dalle. Tu montes sur les petites flèches, regarde là. C'est quand je suis sur les flèches qu'elle fait des toupies? Je sais pas. Ah! Oh putain, mais c'est super dur. Reprends l'autre personnage, hein. Il est déjà le dos debout là-bas. Il est déjà à l'autre côté? Ouais. Ouais, bah voilà, j'ai son téléphone. C'était vachement difficile. Ah bah voilà, c'était le but, je crois. Clic. Bah ouais, mais maintenant je prends le téléphone. Et puis je le plonge dans la poubelle et je le cache. Parce que c'est un jeu de connard. Allez hop, on arrête pour cette petite phase de plateforme. Ouais. Et puis on se retrouve, on va vous montrer un autre aspect du jeu. Par exemple, à travers une petite course. Voilà, qui est la première mission du jeu. Allez, à tout de suite. C'est parti. C'est parti, on lance donc la nouvelle. Allez. C'est bon là? Non, c'est sur celui-là? Je passe la cinématique et puis allez, c'est parti. Comment on pour fait sauter, okay. C'est comme ça. Oh putain, je me suis déjà pris un. Ah, attention, donc je rappelle que c'est un jeu pour les tout jeunes normalement. Il y avait un truc à ramasser sur le rocher en haut. Ouais, il y avait un, je sais pas si c'était un boost ou un truc comme ça. Je te grille. Tu me grilles à mort. Fais gaffe de pas te prendre les rochers qui tombent. Oula. Ok, donc moi je suis au clavier, je rappelle, Sven est à la main. Ah merde, je savais pas qu'on pouvait se le prendre. Y'a un bonus.
Je sais pas ce que c'est. Tu as trouvé une carte collector. Trouve toutes les cartes du jeu pour obtenir un prix sur le plateau de jeu. Est-ce que t'es prête? Ah non. Oh pardon, je suis désolée. Je savais pas que quand j'appuyais ça. Tu es méchante. T'es mort. Vous avez vu ça comment elle essaie de me griller? Au fait, je tiens à préciser que ça avance tout seul. On bouge juste de gauche à droite et on saute. Non, c'est pas vrai, il fallait pas le dire. Attendez quand même, trouver le bon timing pour faire sauter son cheval et tout. Ah, il est costaud le cheval, hein. Il a des. Ah, il y a des machins. Il y avait un chemin à gauche optionnel et tout. Ça me rappelle un peu une sorte de. Indiana Jones presque un peu et tout. Ah, encore un truc, un jeton à ligne. Un jeton. T'es prête? J'ai vu. C'est bon. Ah merde, non! Si c'est bon. Mais t'es nul! Mais non, mais c'est parce que justement, où j'appuie, il y a le truc qui s'effondre sous mes pieds et tout. Et c'est pas mal parce que mine de rien. Je suis trop balèze, moi. Attends, je vais te. Oh, mais non! Je suis nul, j'arrête pas de tomber dans le décor et tout. C'est dur, hein. C'est pas facile. Mais toi, t'es au clavier, je suis à manette aussi. C'est vrai. Mais je sais pas si ça. Je sais pas si c'est vraiment plus facile ou quoi. Je sais pas. Mais là, par exemple, tu passes. Mais peut-être des femmes. Oh putain, quand... je me suis planté! Quand je me suis sauté dans le. En fait, quand tu passes devant. Ah merde, moi aussi. Ah merde! On est dead! Mais c'est. Ah non, on recommence juste un peu derrière. Là, il faut sauter. J'ai envie de dire, c'est pour les petits et les grands. Voilà, c'est surtout pour renouer en famille. Et puis, de toute façon, voilà, on arrive au bout de la course. Du coup, on va s'arrêter là. On espère que ça vous donne envie. Ça peut être un truc marrant pour renouer en famille. Ouais. Allez, à très bientôt et plein de gros bisous. Gros bisous, ciao. Salut!